يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. À une époque où la condition sociale et la couleur de peau faisant figure d'obstacle indépassable, Bilal fut le premier symbole de la vague d'espoir soulevée par le message de l'islam. Farouche contradicteur des idoles et de leurs adorateurs, premier musulman d'ascendance africaine et l'un des plus fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom a traversé l'histoire pour toujours. Fils d'un père arabe et d'une mère originaire d'Éthiopie, il voit le jour à Mecca. Il naît dans la privation de liberté puisque ses deux parents sont esclaves et il grandit au service du terrible Umayya ibn Khalaf. Condamné au silence et souvent maltraité, il n'a alors aucun droit. Bilal était souvent battu, fouetté, privé de nourriture et de soins. Sa condition était celle d'un esclave de l'époque. Ils étaient achetés et vendus contre de l'argent et étaient considérés comme des objets. Personne ne se souciait de leur vie, de leurs sentiments ou de leur situation. Bilal vécut dans cette condition ô combien difficile jusqu'à ce que vienne l'événement qui allait changer le cours de l'histoire, la révélation de Muhammad. Bilal était en effet un témoin privilégié des débuts de la prédication de Muhammad. De l'intérieur, il observe leur crainte irrationnelle envers cette foi nouvelle qui se répand à la Mecque. Cette foi qui vise à dire que les hommes seraient égaux et qu'il n'y a de différence entre eux qu'au travers de leur bonté. Bilal, curieux d'en savoir plus sur cette nouvelle religion, il s'abreuve des paroles de Abu Bakr qui propage avec éloquence et passion les enseignements de Muhammad. Son intérêt pour cette foi qui promet la libération spirituelle par la soumission à l'unique ne cesse de grandir. Pour lui, tout devenait logique et clair. Toutes ces statues jusqu'ici adorées n'étaient rien. Elles ne pouvaient ni parler, ni bouger. Elles n'ont pas non plus aidé ses parents à sortir des griffes de Umayya ibn Khalaf qui les traitait avec tant d'injustice. Son cœur se remplissait petit à petit d'amour pour cette nouvelle religion, et ce jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute dans son cœur. Il se rendit alors auprès du prophète en compagnie de Abu Bakr et y prononce la shahada, cette phrase qui le fit basculer des ténèbres à la lumière, du mal vers le bien. Cette nouvelle est insupportable pour Umayya, qui était l'un des plus grands ennemis de l'islam. Au même moment, les polythéistes commencent à réprimer de la plus cruelle des manières ceux qui se sont convertis à cette nouvelle religion, à cette nouvelle foi. Ils s'en prennent d'ailleurs beaucoup plus envers les faibles et les pauvres qui n'ont personne pour les défendre ou les protéger. Umayya entreprend de torturer alors Bilal, jusqu'à ce qu'il renie l'islam. Les séances de torture se font sans cesse plus violentes et de manière quotidienne. Chaque jour, Bilal était éprouvé. Chaque jour, on lui proposait soit de renier l'islam, soit de souffrir des pires supplices. Bilal est d'abord lié et traîné, la corde au cou, sous les moqueries humiliantes des enfants, déshabillé, fouetté et battu, mais rien n'y fait. Bilal refusait toujours de quitter sa nouvelle foi qu'il aimait tant. Il le faisait en répétant sa phrase légendaire « Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, l'unique, l'unique ». En prononçant cette simple phrase, il montrait combien il était attaché à l'unique, Allah, le seul Seigneur digne d'adoration et de louange. On le privait de boire et de manger, on le fouettait, on lui faisait subir des punitions atroces pour qu'il renie l'islam et on cherchait à le faire savoir à tous. Mais il n'en était rien, Bilal résistait. La nouvelle de ses tourments est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demanda aussitôt à Abu Bakr de négocier sa libération. Bilal était un esclave et Umayya son maître. Tandis qu'il était son esclave, Umayya pouvait le punir à sa guise. Abu Bakr vient ainsi trouver les injustes et leur dit « Allez-vous donc tuer un homme parce qu'il dit Allah est mon Seigneur ?» Umayya lui rétorque « Prends-le plus que son prix et libère-le. » Abu Bakr paya alors le prix fort, bien plus que le prix habituel d'un esclave pour le libérer. Bilal s'envole désormais vers la liberté. Il est désormais un homme libre. Il ne quittera plus les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et deviendra l'un des compagnons les plus proches du messager et lui promettra même le paradis. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Bilal et a dit « Ô Bilal, par quoi m'as-tu précédé vers le paradis? Je ne suis jamais rentré dans le paradis sans avoir entendu le bruit de tes pas devant moi.
Je suis rentré cette nuit dans le paradis et j'ai entendu le bruit de tes pas. Puis il dit à Bilal, « Par quoi m'as-tu précédé dans le paradis ?» Bilal, qu'Allah l'agrée, répondit, « Je n'ai jamais eu un besoin sans faire les ablutions et sans prier après elles deux unités de prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, « C'est donc pour cela, ô Bilal. » Après que les musulmans émigrèrent pour Médine, Bilal participa aux premières et plus glorieuses batailles de l'islam. Mais c'est à Badr que Bilal put prendre sa revanche sur les injustes de Quraysh. L'armée de l'ennemi est trois fois supérieure en nombre et compte parmi leurs rangs Umayya ibn Khalaf. Sur le champ de bataille, Bilal aperçoit son ancien maître. Alors que ce dernier les maltraitait, les voilà maintenant face à face, d'égal à égal, en train de se battre chacun pour faire triompher sa foi et sa religion. Bilal s'avance sur le champ de bataille et s'exclame « La tête de l'idolâtrie, malheur à moi s'il m'échappe !» Et il le charge furieusement et lui fait rendre l'âme. Le symbole est fort. L'islam a redistribué les cartes. Celui qui, hier, était un puissant seigneur capable d'opprimer sans vergogne, n'est désormais plus à l'abri de la juste rétribution d'un homme qu'il considérait jusque-là comme du bétail. À Médine, alors que les cinq prières ont été instituées lors du voyage nocturne, un problème se pose rapidement. Comment appeler les croyants à la salat pour qu'ils viennent tous prier ensemble en même temps? Suite à un rêve d'un compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interprète comme une véritable inspiration divine, le messager dévoile ensuite à Abdullah ibn Zayd, l'homme à l'origine de la suggestion, le choix du premier mot adhin de l'islam, et dit « Enseigne l'adhin à Bilal, car il a une voix plus douce que la tienne, de son timbre agréable, mélodieux et envoûtant. » Bilal appellera désormais les Médinois à la prière cinq fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésite pas à faire de Bilal le symbole du nouvel ordre social. Dans la nation des musulmans, il n'y a plus de différence de couleur de peau ou d'origine. Tous sont égaux vis-à-vis de Dieu. Bilal était hautement respecté et considéré pour son honnêteté et son intégrité. Il était quelqu'un de confiance, au point où on lui confie la gestion de l'argent des musulmans, ce qu'on appelle à l'époque « Beytul Mal ». Si le jour de la libération de Mecca est le plus grand triomphe de l'islam, il est d'une saveur particulière pour Bilal. Après avoir débarrassé la Kaaba de la souillure des idoles, le prophète pénètre ainsi dans la Kaaba pour y prier en compagnie d'Usama ibn Zayd et de Bilal, qui étaient tous deux d'anciens esclaves. Le message était fort. Alors qu'il revenait à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit parmi tous ses compagnons deux hommes qu'il a privilégiés pour prier avec lui. Ce n'était ni Omar, ni Abu Bakr ou Ali, mais bien Usama et Bilal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce un sermon et quand vient l'heure de la salat, le messager demande à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba pour accomplir l'adhan. Que d'émotions pour l'esclave affranchi. En cette ville qui a été le théâtre de son ancienne vie d'humiliation. En ce moment historique, l'appel à la prière résonne dans la ville la plus sainte, sans pour autant s'arrêter, depuis plus d'un millénaire. Deux ans plus tard, l'ère prophétique touche à sa fin après la mort du messager. Bilal, terrassé par le chagrin, est incapable de lancer à nouveau l'appel à la prière. À chaque fois qu'il tente de faire l'adhan, Bilal s'effondre ainsi en larmes à la mention de Muhammad et ne parvient à terminer l'appel qu'à voix basse. Son cœur est meurtri par la perte de l'homme qu'il aimait le plus. Il a beau essayer, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. L'ère de Médine tout entière lui est devenue insupportable en l'absence du prophète. La ville du messager d'Allah lui fait encore trop penser à lui et son chagrin est inconsolable. Bilal demande alors l'autorisation à Abu Bakr, alors calife et chef des musulmans, de quitter Médine. Il souhaite se rendre utile aux musulmans et décide de rejoindre l'armée du Shem pour combattre sur la voie d'Allah et toujours rester utile. Il rejoint l'armée de Abu Ubaida ibn al-Jarrah et de Khalid ibn al-Walid. Il n'accomplit plus l'adhan qu'à deux reprises. Lorsque les musulmans ont conquis la terre bénie du Shem, face à cette éclatante victoire, tous les musulmans sont heureux. Omar ibn al-Khattab tente de convaincre le maître des mu'adhin d'accomplir le adhan à l'approche du Asr et lui dit « Les compagnons du prophète aimeraient qu'en ce jour, tu appelles à la prière comme tu le faisais autrefois. » Hésitant, Bilal finit par se laisser convaincre. On rapporte alors que
que personne ne vit Omar pleurer plus abondamment qu'en ce jour. Bilal s'installe avec sa femme Hochem. Il voit en songe le prophète qui le sermonne. Quel est donc cet éloignement, Bilal? N'est-il pas temps que tu viennes me rendre visite? Sans attendre, il prend aussitôt la route de Médine, sur la tombe du messager, où il est à nouveau terrassé par l'émotion. Al-Hassan al-Hussein l'implore d'accomplir l'adhan du Fajr. Bilal accepte et accomplit le adhan qui secoue tout Médine et fait même sortir les femmes de leur foyer au cœur de la nuit. Il se raconte que l'on n'a jamais vu autant de larmes parmi les habitants de Médine, nostalgiques de la présence du messager. Après cette dernière visite, Bilal ibn Rabah quitte ce monde. Sur son lit de mort, et alors que son épouse se lamente, il la rassure à ces mots. « Ne dis pas « quelle catastrophe », mais plutôt « quelle joie, car je retrouverai demain mes bien-aimés, Mohammed et ses compagnons. » En l'an 20 de l'Hégire, et cette année après la mort du meilleur des hommes, Bilal rendit ainsi l'âme à Damas. Bilal était un homme au cœur bon, et il vit très tôt que l'islam était une religion divine et parfaite. Sa bonté et son dévouement lui firent gravir tous les échelons de la société, devenant une personne respectée et honorée parmi les musulmans. Lui qu'on l'insultait jadis avec mépris dans les rues de Quraysh, lui que l'on appelait Ibn Sauda, le fils de la noire, est devenu l'un des compagnons les plus connus, les plus respectés, mais aussi les plus aimés par les musulmans. Sa vie, son histoire, nous rappelle l'un des principes fondamentaux de la religion et l'une de ses plus belles aspirations, la libération des croyants d'un ordre inique et oppresseur vers la justice et l'équité de l'islam, peu importe ton origine ou ta couleur de peau. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos d'histoires de compagnons sont disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu.